Et ouais, bonsoir à tous et à tous et bienvenue pour un nouvel épisode sur une nouvelle série. Et bienvenue pour du Dawnkeeper. Et bienvenue pour une petite série. Voilà, c'est très simple. Nous sommes sur un jeu où il faut tout simplement se défendre contre des attaques de mobs qui viennent nous agresser dans notre dôme pendant que nous minons et nous recherchons donc des reliques. Voilà, c'est un jeu qui est sorti il n'y a pas si longtemps que ça, il y a quelques mois il me semble. Et j'avais envie de vous le faire, hein, voilà, je suis toujours en test pour essayer de trouver les problèmes de... d'où viennent les problèmes de qualité sur les vidéos. En attendant, on peut partir donc avec un dôme laser, un ingénieur, bouclier, chasse à la relique. On part en normal sur une petite carte, voilà, pas de modificateur, c'est très bien. Allons-y. Vous allez voir, le principe du jeu est très très simple. Ok. Nous venons de nous écraser, donc nous avons notre installation ici. Nous pouvons descendre en bas. On peut pas descendre en haut, certains me diront. Ah, voilà, bon, on commence direct, voilà. Ok, donc le principe est simple. Faut trouver des reliques. En attendant, on peut trouver des minerais. Donc là, nous avons trouvé du fer. Ce fer permet notamment de, par exemple, améliorer nos différents matériaux et nos différents équipements que nous avons. Nous avons le dôme laser, donc qui est la base, hein, de manière générale, notre personnage, notre arme et une des spécificités de notre dôme. Là, nous avons un bouclier, donc qui est l'objet de base. Alors, j'ai déjà joué un peu, donc on va faire une partie un peu classique, comme j'aime bien les faire. Donc, on commence par une jauge de proximité hostile pour voir le temps restant avant la prochaine vague des aliens et la jauge de solidité. Voilà, comme ça, on commence et on développe un peu tout ça. Ça m'a coûté les 3 de fer, c'est pas grave. Donc en haut, en bas à gauche, on peut voir que j'ai effectivement débloqué ce qu'il fallait. J'ai beaucoup de fer pour le moment, c'est très chanceux de ma part. Je vais vraiment pas me plaindre. Voilà. Poupidoupidou. On va creuser. Essayer d'optimiser un peu, sans trop se prendre la tête quand même. C'est très bien. Alors sachant que les cailloux n'ont pas tous la même résistance, certains sont plus lourds. Ça dépend de la densité de la roche. Alors. Tech. Là. Avec 6 de... Avec les 6, on va améliorer directement notre... Merde. Notre... Notre arme pour pouvoir se défendre assez efficacement sur les premiers rounds. Évidemment, plus on avance, plus les rounds sont difficiles. Et évidemment, j'ai une capacité max de port des cubes pour le moment, qui est assez faible, d'où le fait que je fasse beaucoup d'allers-retours. Ok. On va se faire attaquer. Allez, allez, allez. Voilà. Le début est très simple, hein, somme toute. Il n'y a pas à s'inquiéter. Donc là, dans l'idéal, il faudra que je retrouve un peu de fer pour améliorer ma foreuse. Alors, j'ai trouvé du cobalt. C'est très bien ainsi. Alors voilà, on prend un peu tout ce qu'on a, poupidoupidou, voilà, très bien, un peu de matériel, on fera plusieurs runs je pense, hein, en série, on verra comment ça se donner, ce que ça va faire comme résultat, voilà. Donc, je pense qu'on va prendre une meilleure foreuse. Ah, on a 6. On pourrait aller plus vite, mais en même temps, est-ce que c'est réellement utile? On va prendre une puissance de forage qui est un peu meilleure. Pour pouvoir forer les cailloux un peu plus costauds, plus rapidement, voilà. J'ai trouvé de la flotte, bah c'est très bien. Parce qu'on voit en bas à gauche que ça va arriver. On va remettre ça au milieu. Que voilà, typical. A tendance à revenir. Ok. Pour le moment, tout est simple. Hein. Il n'y a pas à se plaindre. En même temps, on n'est pas sur une grosse difficulté. On n'est pas sur une grosse map. Alors, on va essayer de faire des jolis cubes. Voilà. On essaie d'optimiser.
Il n'y a pas grand chose, c'est un peu la dèche là. Faut pas. Pas se mentir. Ah ouais, non, il n'y a vraiment rien. Et là, je regarde un petit peu, puisque des fois sur les bords ça peut. Non, il n'y a que dalle. Ok. On augmente notre vitesse aussi. Il y a beaucoup de trucs à améliorer, hein. Clairement, dans ce jeu. Vous allez voir. Hop là, 3 de fer. Je vais pas me plaindre. C'est très bien ainsi. Allez. Allez. Voilà. Alors, amélioration. Est-ce que... avec 5, 4... Ouais, c'est pas fou, hein. Ok. J'imagine qu'ils vont m'attaquer des deux côtés. Ah. Je vais pas l'avoir à temps. Saloperie. On est très lent. C'est ça, je pense que c'est peut-être la prochaine amélioration qu'on va prendre. On va voir. Quoique. En fait, améliorer le personnage ferait qu'on serait plus efficace pour le minage. Donc d'une certaine manière, on serait plus rentable. En même temps, il faudrait des défenses assez vite. Notamment, au moins augmenter la vitesse de rotation du laser. Ce serait pas si mal. Je l'admets. Donc. On part à gauche. Encore un peu de cobalt. On va pas s'y focus pour le moment. Pas tant ce qui m'intéresse pour le moment. On va hop là. Vérifier les bords quand même. Hein, voilà. Bon, il n'y a rien d'autre. Une tristesse. Là, je fais tomber. En plus, je suis un gland. Je suis un gland, putain. Ok. Faut remonter, faut remonter, faut remonter. Hop là, on remonte avec ce cobalt. C'est mieux que rien. Et on va améliorer la vitesse de rotation de notre machine. Voilà. Et avec les deux cobalt, si je dis pas n'importe quoi, réduction des dégâts au corps à corps. C'est pas si mal. Voilà. Et on va un peu plus vite pour aller d'une zone à l'autre. C'est pas plus mal. Très clairement. Là, c'est le bouclier qui encaisse, donc en final, ça va. Et voilà. Très bien. On rame du cul, par contre. Et ça... pas négligeable comme problème. Oh! Ah ah! Alors ça, ce sont des améliorations, vous allez voir. Je ne les connais pas toutes. J'en connais quelques-unes. Pour ainsi dire, j'en connais 3. Alors, fonctionnant dans les deux sens, entre la station située sous le dôme et un portail pouvant être déplacé dans les galeries. Ok, ou creuse-tout. Je pense qu'on va prendre creuse-tout. Voilà. Viens là, mon très cher ami. Alors. Voilà. Creuse-tout, c'est simple, il va juste creuser, passer sa vie à forer le sol, c'est bien, ça va nous aider. Faut juste pas qu'il se branle la nouille à un moment, puisque de ce que j'ai compris la première fois, c'est un flemmard. Voilà, il a découvert de la flotte. Ouais, il va falloir vraiment que j'améliore mes vitesses de déplacement, puisque le temps de remonter, je perds un temps précieux. Il me permettrait de forer autre chose. Ok. Oh my. Ok, bon, pour le moment on les tient en respect, pour le moment il n'y a pas à se plaindre. Ok, donc. On a de la flotte d'un côté. Il faudrait toujours du fer, voilà. On va prendre 3 de fer. Et on va voir. Allez. Alors sachant qu'il de ce que je connais de creuse-tout continue en ligne droite jusqu'à ce qu'il retrouve un mur. À ce moment-là, faut le faire tourner. Et on va le faire. Et on va aller même checker ce qu'il fait. Puisqu'en plus il y a du fer et ça c'est hautement qualitatif. Il y a beaucoup de choses. Bah écoutez, on est bien tombé. Voilà.
Va dans l'autre sens. Et j'ai pas pris l'amélioration de vitesse, ce n'est pas dramatique. Mais voilà. Donc là, il va creuser à gauche. Et j'ai fait tomber du fer, tant pis. C'était pas grave, c'était pas grave. Allez! 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 Allez, vite, 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 vite! Allez! On a un bouclier, c'est fait pour encaisser d'une certaine manière. Si j'avoue qu'on était short. Voilà. Alors, important, donc là on va améliorer la vitesse. Ah, c'est déjà un peu plus plaisant. Tombe bien, puisque au final le forage, bah il peut être en partie fait par notre ami. Notre ami le glandu. Qui fait très bien son boulot pourtant, donc en soi on va pas critiquer. C'est très bien. On va hop là ramener le fer ici. Alors il y a beaucoup de fer quand même à choper. 1, 2, 3. Alors. Un troisième trajet pour tout ramener. Ce n'est pas dramatique dans l'absolu. Bon. On rame du cul. Mais ça passe. On rame du cul, mais ça passe. Voilà. Donc. Amélioration. On a 11, on pourrait attendre 12 pour avoir plus de puissance de tir. Ce serait pas plus dégueu. Allez. Allez, 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 tourne, tourne, tourne. Allez. Voilà. Parfait. Donc, notre très cher ami, hormis me trouver 3 tonnes de flotte. Voilà. Va dans l'autre sens. Il ne trouve vraiment que de la flotte. Ce n'est pas dramatique, hein, somme toute. Ça servira toujours, mais... dans l'urgence, il me faudrait du fer. Ça me sauverait bien la vie. Que je permettrais, ça me permettrait d'améliorer un petit peu la puissance de feu. D'avoir un avantage assez, assez fort et assez costaud et assez plaisant. Faut se l'admettre. On va creuser nous de notre côté. On n'est pas sur une roche qui est très facile à détruire. On va prendre 3 et on va se remonter très vite puisqu'on n'a pas forcément beaucoup le temps de faire plus. Mais c'est bien, c'est bien, c'est bien. On a du fer. On a le morceau de fer qu'il nous fallait. On commence à être un peu short aussi hein, sur le... Les trajets sont de plus en plus greedy, hein, faut pas se mentir. Mais bon, c'est pas grave. Hop, alors, on va prendre ça. Et ça c'est... Alors ça c'est le bouclier, c'est ça. Alors... puissance de forage pour Monsieur Creustou. Des friandises ou 300 coups en plus. En même temps, 300 coups, ça sert à rien pour le moment. On va garder ça comme ça, je pense. Voilà. On est quand même un peu plus efficace. J'avoue que j'ai une précision à la con. Voilà. Allez, les pitis. On meurt. On meurt. Allez, on dégage. Poupou. Voilà. Parfait. Parfait, parfait, parfait. C'est... Vous inquiétez pas. Tout est sous contrôle. Il y a plus que ce qui pourrait y paraître. Juste en fait m'assurer qu'il n'y a rien, il n'y a pas un petit cube à la con. Soit caché. Il y a encore de la flotte. On pourra aller la chercher.
On va faire ça, on va aller chercher la flotte. Pendant qu'on va chercher la flotte dans l'idéal. J'ai envie de dire. Amélioration. Il faudrait qu'on s'upgrade au moins dans tout, histoire qu'on puisse amener plus de choses. Voilà. Important. Très important. Confort un peu mieux qu'initialement. Et on peut ramener plus de choses. En ayant moins de pénalités de mouvement. C'est très bien ainsi. Tant pis pour Krustou, hein, c'est pas grave. Il aura un peu de repos s'il a fini de creuser. Sinon, allons-y. J'ai beaucoup de flotte, faudrait vraiment que je l'investisse dans quelque chose que je pourrais avoir pour le prix actuel. C'est pas grand chose. On va pas se mentir, j'ai rien. Je peux améliorer les Krustou, mais je trouve ça un peu trop secondaire en réalité. Pour faire quoi que ce soit actuellement avec. Voilà. Voilà, soleil dégage. Merci. Donc. Krustou, il doit être tout à droite. On va creuser. Voilà, 3 comme ça, puisque j'imagine qu'il est parti s'endormir, ce con. Oh non, oh, j'ai été médisant. Va de l'autre côté. On va ramener 4. Ce sera très bien ainsi. Voilà, là, il peut creuser à droite ou à gauche, c'est pas un souci. Tout n'est qu'une histoire d'anticipation. Et on anticipe. Et on va voir. Peut-être qu'on va améliorer le shield un petit coup. Attendons, il creuse. Hein. Il creuse. Je pense qu'à un moment, il sera limité techniquement. Bon. En attendant, on est bien. Pas que je perde trop de temps non plus. Parce que si je perds trop de temps, je risque de rater la... Chose, voilà. Amélioration. J'ai 11 de mag... De mana. Alors. Installe sur votre laser une tête pivotante qui corrige automatiquement votre visée quand elle est proche de la cible. Ouais, c'est pas très intéressant. Double laser, ça pourrait être bien, mais en même temps, j'ai pas trop... Il y a le gros laser aussi qui a l'air d'être pas mal. Vitesse de déplacement, je pourrais prendre... Ça me coûterait 10. On va prendre un peu plus de bouclier. Un peu plus. Et on va peut-être améliorer Krustou. Prendre 1 puissance de forage. Voilà. Prendre 1 puissance de forage. Voilà. J'avoue que bon, le shield n'aura malheureusement pas le temps de se régénérer pour l'occasion. Mais c'était pas grave. Oula. Oh non, pas eux. Saloperie. Et lui, il va se suicider. Oui. Aouh. Allez. Voilà. Loupidoupidoupidoupidou. On rush B. Lui, il va forer un peu plus vite. C'est un peu plus efficacement, c'est très bien. On a encore du fer ici. Putain, je suis assez lucky, hein. Non, reviens là. Pas que je le perde. Que le perdre serait du temps perdu, ce serait une catastrophe. Pendant ce temps, notre ami Debilus continue. Très bien, ainsi. Beaucoup de fer, hein, beaucoup de fer à ramener. Surtout qu'on doit toujours trouver un artefact, hein, donc clairement, on n'est pas encore rendu. Est-ce que j'ai le temps de... Je vais gris d'un coup.
certains me diront, je devrais pas. À juste titre. En théorie, j'ai pas de pénalité de mouvement ou pas beaucoup avec les trois. Donc en vrai, je peux... Non, c'est bon, j'ai le temps de les ramener. C'est très bien. Alors, amélioration. On a 17. Prendre un peu plus de vitesse. Ça peut être bien. Creuse-tout, on pourrait le mettre un peu plus de puissance de forage, mais est-ce que c'est réellement nécessaire dans l'absolu? Je ne pense pas. Poupidoupidou. Je regarde un peu ce qu'on a, mais en réalité, il n'y a pas grand-chose de réellement intéressant en plus pour mon... Ah, ça fait du bien par contre. Le fait de pouvoir bouger aussi vite... Ça va faire qu'on pourra intervenir très vite d'un côté ou de l'autre. Si je vise pas comme un gland, bien évidemment. Je l'ai pas tué en plus celui-là. Ouais. Ah. Ah oh. Le bouclier qui prend un peu... Là c'est le dôme qui prend un peu. Mais c'est pas grave. Ok. Donc on va voir ça. Là, je pourrais mettre de la puissance de forage à Perceval quand même, mais... Perceval, pourquoi j'ai pas aussi... Let's go. On va le garder. Oh, 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 mon gars. Oh, mon gars. Mais... C'est pas inutile, au moins, c'est bien. C'est bien, c'est bien. Non, 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 c'est pas au petit, ça, que tu fasses ça. Dans l'autre sens. Je vais faire tout le côté droit d'abord, tant pis. Je ferai le côté gauche moi-même. Même si je vais pas y arriver au final. Allez. Allez, allez, allez. On s'upgrade. Et on va voir. Il est efficace, hein. Et qu'une, juste une petite upgrade, ça fonctionne bien, c'est cool. C'est cool. Peut-être que je m'améliore moi aussi. À titre purement... purement pour l'efficacité. Genre la vitesse maximale, on va se la prendre. Attends, et amélioration. Avec 6, je peux pas prendre le shield de niveau 2. Ce n'est pas dramatique dans l'absolu. On va prendre la puissance de forage niveau 2. On aura confiance. Allez, et un peu là, ça brûle. Un peu plus costaud celui-là, voilà, merci. Merci. On va aider un peu, on va participer à l'effort, hein. Qu'est-ce que c'est que ça? J'en sais rien. Ok. Bon. Dire soit. Allons-y. Continuons à forer, hein. Foron. Là, j'avoue que là, c'est la ligne de la dèche. Hein. Ah, c'est bon, on a trouvé du cobalt. Pas si mal. On va le prendre et on va remonter direct. Et on aura fait cette ligne-là assez vite. On aura rattrapé un peu notre retard sur le côté. Et je crois qu'il y a une upgrade aussi avec le cobalt qu'on peut prendre. Il peut ne pas être dégueu, c'est ça. Réparer. Ok, réduction des dégâts au corps à corps. Allez. Let's go. Ça tue bien, hein. Ok. Donc,
Voilà, alors, donc on va repartir, on va aller le réveiller, ce glandu. Voilà, donc. Ce glandu va travailler à droite, moi je travaille à gauche. Ah, on arrive dans la zone marron. De l'autre côté, toi. Oh merde. Ça, c'est de la roche de mort. Donc. Allez. Oh la saloperie que c'est. Ah ah, au moins je ramène un peu de flotte. Ah ouais. Faut la vouloir, hein, cette flotte. Mes petits cailloux, j'ai du mal. Hein. Je vais ramener tout ça. Donc lui, il creuse. Oh, oh, oh my. Oh, ça, ça fait plaisir. Un deuxième bonus. On comprendra instantanément après. Car ça peut totalement régir la suite de nos aventures. Alors. Il n'y a pas grand chose à prendre. Allez. Ouh putain. Allez, reviens. Allez, voilà. Ok, bon, en fait ça va, c'est pas très dur. Mais bon. Ok. On va pousser un peu la flotte. Bon. Je pousse pas dans le bon sens, mais c'est pas grave. J'aime bien la musique de ce jeu, elle est calme. Ça rend bien. La question, c'est qu'est-ce qu'on va avoir comme bonus ? Ajoute un dôme, sous le dôme, une machine produisant lentement de l'eau par condensation. Ou installe un laser qui vise automatiquement les petits monstres et les étourdit. Ça, dans mes souvenirs, c'était puissant. C'est bien, c'est sur les trois machins que je connais, il y en a deux que qu'on a. C'est très bien ainsi, j'ai envie de dire. On va récupérer le fer de ce côté-là. Oh, putain, il y en a plein. Allez, on pousse tout. Allez. Allez, 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 allez. Il y a pas mal de ressources, c'est cool. Mais le petit laser, ça peut être goldé. On va regarder un peu les bonus qu'il nous propose avec. Donc. On a quoi? On a 11. Ok, 11. On a tout ça. Ok, donc. Délai de... Tir plus 0,5. Le laser étant distant se reproduit plus rapidement. Ok, donc ça peut être intéressant. Petite quantité de dégâts au tir laser étourdissant. Il passe plus rapidement. Contrôlé par l'IA de base, même quand vous ne trouvez pas à l'intérieur de la station. Ouais, ça peut être bien. On va le prendre. On va le prendre à fond, vous savez quoi même. On va aller là-dedans, on va aller dans le luxe. Mais j'y crois. J'y crois très clairement. Pour le moment, ça va, en vrai. Mais c'est pas si déconnant que ça. Ouah, ça les massacre! Oh, par contre, c'est goldé. Ah, ça l'a pas empêché de tirer, cette saloperie! Ah, saloperie! Ok, ça va être compliqué. Allez, on a Assassin 1. Ah. Lui sort d'abord. Donc lui. Voilà. Compliqué. Compliqué, dirons-nous. Mais c'est pas grave, ok. Ok, 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 ok.
Pas plus mal, pas plus mal, pas plus mal. Il y a tellement de fer ici, c'est tellement la vie. Je check vite fait, mais ouais, non, il n'y a rien de plus. C'est pas plus mal. Mais ouais, non, c'est bien, ça permet de... Ça les ralentit bien. Je suis trop lourd si je le prends, donc on va prendre tout ça, ça va déjà être pas mal. Mais c'est bien, le shield, il a pas mal encaissé les coups depuis le début. C'est vraiment pas dégueulasse. C'est même plutôt appréciable. Attendez, on a combien là? On a 7. Tic 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 tic. Ouais, on a rien. On a pour rien faire là actuellement. On a rien. Donc on va descendre en bas. Vite fait. Bien fait. On va bourrer le sol ici. On va faire en sorte que l'autre, on le ramène. Du cobalt. J'ai bien fait. Passe vite. Voilà, parfait. Surtout que là... Voilà, voilà. Pensant, il va forer. C'est parfait. On l'entend un petit peu au fond. Temps. Je sais pas si... Est-ce qu'on l'entend quand il s'endort? Ce serait hautement pratique, mais... Hautement craqué. On va mettre plus de PV, il est vrai. Mais en même temps, est-ce que j'ai réellement besoin? J'ai en train de réfléchir, je trouve que les dégâts, on manque. Il va massacrer les petits. Il y a un gros en fait, surtout ça. Allons-y, hop là! Tu vas pas plus loin! Ah, il a arrêté de chauffer, bon. Il a surchauffé. C'est pas grave. Non, ouais, c'est pratique, ça les ralentit bien. Il va en chier. Je vais être honnête, moi aussi. Bon, il a l'air de moins, de plus en chier que moi, c'est pas grave en même temps. Faut que je puisse remonter assez vite. Foreuse niveau 2, ce serait pas du luxe. Hein. Alors peut-être. T'en prendre 6. Ah, j'hésite. Oh my. Il a trouvé un truc en bas. Je sais pas ce que c'est, mais il l'a trouvé. C'est pas déconnant. Allons-y. Ah, quoique, si en vrai, avoir un gros... Ouais, mais j'ai pas la moula pour, en fait. Non, on va prendre la foreuse. De niveau 2. On va essayer de ramener, de reprendre un peu de matériel si j'ai le temps. Est-ce que j'ai le temps? Je ne sais pas. Est-ce qu'il y a du fer qui se trouve à proximité? En partie. Et vite. Moi, je vais voir vite fait après hein, ce qui nous manque. Enfin, ce que nous n'avons pas. Ouais, heureusement qu'on a augmenté l'amélioration aussi. Hein. Enfin, la vitesse. Voilà. Ah, point nommé, dirons-nous. Oh putain. Bon. Allez. Reste là. Non, saloperie. Voilà. Reviens, voilà. On te massacre un coup. Ok. Donc. Est-ce que je vais chercher du fer ou est-ce que je vais aller... Je vais voir ce qu'il y a quand même. Ça peut être très intéressant. Le petit objet. S'il y a un objet. Il a trouvé du fer. Bah continue, j'ai envie de te dire. Merde. Bon. Je sais pas ce que j'ai fait. Je les drop sans faire exprès. Ouais, ok, ça fait du bien quand même, ouais. On a un gain de temps qui ne va pas s'en dire. Oh, what
Alors, c'est très chiant parce que c'est la même touche pour récupérer le fer que pour... quel enfer, justement. Alors, je sais pas pourquoi. En plus, des trucs qui se dégradent auto, hein. J'ai pas pu négocier, il aurait fallu que je fasse le tour. Bon, ce n'est pas grave. On va rien dire. Il a pris ses deux bouts de ferraille. J'espère qu'il est content. On va penser à la défense. Enfin, un gros canon, ce serait pas du luxe, hein. Ouais, mais en même temps, j'ai rien actuellement. Je vais améliorer ma barre... Je vais reprendre un peu de barre de vie. Ça sera pas dégueulasse. Lui, il va tailler un peu. La forme, j'ai... pété ça, voilà. Ça sert à rien, mais en même temps, j'ai pas le temps de faire plus. Ok. Ces machins-là qui me foncent dessus, ça me fait flipper. Allez! Allez! Ah, enfin! Oh là là! J'en peux plus. J'espère qu'il me les a pas bouffés, hein. Tu sais qu'il me va... si je dois payer une taxe à toutes les fois où je dois passer. C'est une catastrophe. Me diront c'est pas très opti, je vous dirais oui. Mais bon, en attendant pour le moment on on est obligé de ramener une tonne de fer, donc autant qu'ils creusent un peu dans le vide. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas dramatique. Dans l'absolu. Oh, aïe aïe aïe. Ça ralasse. Ça paye cette zone, hein. Ça par contre, ça c'est... oh la tristesse. Et on a... heureusement qu'on a amélioré, hein. Voilà. Une fois ce n'est pas dramatique, s'il creuse de manière non optique, au moins il creuse déjà. Donc c'est des blocs en moins qui seront retirés. Quitte à ce qu'il fasse toute la ligne, hein. c'est pas grave. Mais on voudrait pas. En attendant... on a une quantité de ferraille non négligeable qui nous permet d'améliorer le gros canon. Voilà, le gros canon. Moi, je dis, il y a quelque chose à compenser avec ça. Allez, tire-moi ton machin. C'est OP. C'est OP du cul, putain. Bon, en attendant, j'ai pas retrouvé l'arlique. Et lui, il dort. Non mais oh. Allez. Oh putain. La ferraille. Il y a un truc en bas. Oh, aïe, 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 aïe. J'ai pris quelle taille de map? J'ai pris une petite, je crois. Enfin, de base, c'était une petite. J'espère. C'était le principe. Je voulais faire une petite game, mais bon. Allez, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Allons-y. Allons-y, allons-y, allons-y. Descendons, descendons. Récupérons dans les tréfonds tout le délicieux or qui nous manque. Et bah, ce qui est en bas, on le verra après. On le verra, on le verra. Dès qu'on aura déjà chopé tout ça. Mais c'est pété, hein. C'est d'une puissance, ce laser. C'est une puissance absolue et pété. Et on peut avoir les deux, bah, sans déconner. Ce serait pratiquement très intéressant. Je sais pas si je fais bien de descendre. Non, je fais pas bien de descendre. Voilà. On a gagné 2 secondes.
Bon, tu vas être endormi comme un connard. Évidemment. On prend notre gros canon, bien évidemment. Le bruit de ce canon. Oi, oi, oi. C'est OP. C'est OP. Par contre, c'est vrai que... Alors, sachez que c'est un jeu qui se joue beaucoup plus facilement à la manette. Ah, il a fait le tour, hein. Quoi, le temps que... Oh my! On arrive sur la fin de la map. Faut que je trouve la suite. Là, on a trouvé un fragment de relique. Voilà. Enfin, un interrupteur de relique. Allez. Descends un coup, toi. Dans l'autre sens. Ok, on va remonter. Bon, ça fait par contre qu'on va plus avoir d'upgrade, mais vous inquiétez pas. Pour le moment, ça devrait bien se passer. Réfléchir. Ok. J'ai 13 de pognon. On va le mettre dans le shield encore. On va mettre dans le shield. Parce qu'on est bientôt sur la fin de la run. Donc on va trouver l'artefact. Donc avoir encore plus de défense, c'est pas plus mal. L'outil creuse, en veux-tu, en voilà. Creuse sa race. Je sais pas ce que c'est que ces bestioles. Je veux pas tester. Oh merde. Aouh. Bien là. Oh merde. Oh la puissance du canon, vraiment. C'est abusé, hein. Vraiment, c'est vraiment pété du cul. Mais c'est très bien. Alors, il en est où l'autre débilus? Oh bah il m'en a trouvé un deuxième. Bah, parfait. Plus une petite map, il y en a pas beaucoup généralement. Il y a du cobalt aussi, vas-y. On veut, tu en voilà. Vas-y, creuse un coup. Allez! C'est parti, on ramène l'artefact à la maison. Oh, il est là. Oh, c'est stylé, ces effets de vague. C'est très, très, très stylé. Allons-y. J'ai 5 points. Est-ce qu'il y a un truc que je peux mettre avec 5 points ? Allons-y. Allez. Allez. On brûle. The final wave. Ah, ça... Oh, les dégâts quand même. Allez! Ça brûle! Ça brûle! À un moment, faut mourir! Ah putain! Ça passe avec l'artefact! Ah. Nouveau monde débloqué! Et. Oh, Terre des Titans! Et on peut donc avoir
Déclenche une capacité de combat active qui renvoie les projectiles. Oh, ok. Oh, oh. Attends, vous allez me dire qu'on peut débloquer des nouvelles capacités pour les gadgets. C'est pas mal. Nouveau gadget, monstrifuge. Installe une cuve produisant un liquide qui repousse les monstres. Activez la pour vaporiser à l'extérieur du dôme. Qui retarde la vague du monstre suivante. Le monstre suivante. Ok, intéressant. Mineur peu conventionnel utilisant les techniques d'extraction gravitationnelle encore expérimentales. Ah. J'ai envie de dire, on va prendre ça. Let's go. Et bien voilà. Et bien sûr, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. On se retrouve bientôt pour la suite de la série. On refera quelques épisodes à droite à gauche. Je sais pas, je n'assure en rien de la fréquence de ces épisodes. Mais en tout cas, quand j'aurai un petit espace tranquille et libre pour faire un épisode, bah, ce serait pas en placer un de Domekeeper. Ce, je vous fais à tous de gros bisous. Et je vous dis à la prochaine. Allez, zouf.